الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، alors الحمد لله، nous ne raisonnons de nos leçons sur le hadith. Et là, nous pouvons discuter qui fait un hadith, les tombes de la catégorie de Mardoud. Et nous verrons d'abord un détail concernant ça. Nous disons a deux raisons, soit omission, soit critique concernant un narrateur. Right? Et là, nous étudions concernant omission depuis plusieurs semaines. Nous étudions concernant omission. Et maintenant, là, aujourd'hui, nous pouvons étudier concernant omission même. Un type de omission, mais seulement qui est hidden. Un omission qui n'est pas obvious, right? Qui n'est pas clair, qui est hidden, qui est caché. Right? Alors, ça, qui donne un le type de hadith qui tombe dans la catégorie de mardoud, normalement, c'est hadith mudallas. Hadith mudallas. Alors, nous pouvons étudier ça aujourd'hui, là, Inch'Allah. Et nous faire dua, Allah Rabbul Alamin, fait l'ivine facile pour nous. Mais seulement vraiment, c'est une petite chose qui vient technique maintenant. Et il est important pour comprendre ça. Ok, donc, nous avons le texte de Hafid ibn Hajar Asqalani, rahimahullah. Après, il y a une explication. Et c'est difficile pour expliquer où lire le tableau. Alors, Hafid ibn Hajar Asqalani, rahimahullah, dit « Thumma qad yakunu wadihan aw khafiyya ». The omission, right? Omission in the isnad, c'est-à-dire in rat en rawi, in rat en narrateur, ça, li kapav et, sa omission là, li kapav et obvious, clair, apparent, ou hidden. Ou bien il est capable d'être caché. C'est-à-dire, il n'est pas facile pour détecter sa omission. Non. Que les hidden, il n'est pas facile pour détecter sa omission. Non. Alors, the first type, c'est-à-dire the obvious omission, is identified by the non-meeting between the narrator and the sheikh. Alors là, il peut expliquer nous. Sa premier type de omission qui est obvious, qui nous étudie jusqu'à là. Déjà, sa first type de omission qui est obvious omission, ça nous connaît facilement. Comment? By the non-meeting. Nous connaît facilement par le fait que narrateur là, panjoen sa chair. Avec qui il peut rapporter là. Right? Dans une chaîne de transmission, on gagne un narrateur, il peut rapporter depuis un autre narrateur, depuis un cheikh, mais seulement, il n'a pas besoin de sa cheikh là. Il n'a pas besoin de lui. Qui fait il n'a pas besoin de lui? Par exemple, sa cheikh là, il a gagné sur Wafat 150 Hijri. Un exemple, on peut donner. Cheikh là, il a gagné sur Wafat 150 Hijri. Et sa narrateur-là, il est né l'année 200 Hijri. Il est né l'année 200 Hijri. Mais comment il est capable il joindre sa chair qui gagne sur Wafat l'année 150 Hijri là? Ce n'est pas possible parce qu'il est né après. Right? Donc là, il est obvious. Nous finissons connaît. Et pour connaître ça, continuons aller. For this, historical records are required as they consist of the birth dates of the narrators, their death dates, the dates of their studies and their travels. Pour ça, nous avons nous ban historical records. Donc là, nous comprenons l'importance de ilm al-rijal. Je cause l'eau un petit peu peut-être au début, au commencement de nos cours. Ilm al-rijal. Nous pourrions cause l'eau là après. Al-Murijal, c'est une science qui va nous développer. Qu'est-ce que tu fais là-dedans?
Je t'ai fait recherche concernant ben narrateur hadith. Je t'ai fait recherche l'olé. Qu'il en est l'inné, côte l'inné, côte l'inan l'emprunt, avec qui s'en a l'inapprunt, ensuite qui ban zélève l'ifinéna, right? Et qu'il en est l'ingé sur wafat, qu'il en est l'intégral, tout ça là. Ben narrateur, ben ulama fin compile cette biographie. Et ça, c'est une science qui existe dans les musulmans. Les autres madhab, les autres religions, les autres qaoum, on a peine une science comme ça. À cause ça, nous dire qui existe donc nos musulmans, parce que nous avons un ilm al-rijal. Les ulamas ont sacrifié beaucoup pour compiler ça. Par exemple, là, je dis qu'on compile la vie de les ulamas qui nous ont dans l'époque, dans tout le pays. Que ce soit arabe ou non arabe. Dans nous l'époque, hein? Ou bien nous disons, dernier 100 bananes, ben ulama qui l'intégral, al route concernant banan, je date naissance, quand qui s'en a son emprunt, tout ça, est-ce que c'est facile de faire ça? Malgré nous, il y a tant de facilité maintenant, hein? Internet, facilité voyage, tout ça, mais seulement, est-ce que c'est facile pour nous faire ça? Non. Mais pensez, 1100, 1200 bananes avant, maintenant, tu finis comment se travaille le Sahel Morrijal. Qui fait? Parce que, bien qu'on concernant ce narrateur-là, l'éla pour capable arrive à une conclusion concernant un hadith. Bien travaille l'eau-là. À cause ça, une parole nous dit que ce qui nous, avec technologie, ce qui nous, avec et technologie, internet, computer, ça, le, toute facilité qui nous est là, électricité même, hein, tout ça là. Avec tout ça là, nous ne sommes pas capables de faire ce qui s'avance au lama dans le passé, il fait là. Ce grand travail qui m'a fait là, nous ne sommes pas capables de faire, nous. Ce qui nous peut faire là aussi, il est bien tigide comparé à ce qui m'a fait faire. Et ce qui nous peut faire là aussi, li dépend de ce qui va faire. Si pas tu as une autre recherche, mais qui recherche nous tu peux faire. Non? Alors, tout le temps, nous avons besoin de respect. Nous avons besoin de respect pour les grands. Right? Nous pas dire, par exemple, maman vient de l'époque de technologie, science, technologie, tout ça. Donc, mon meilleur qui va aujourd'hui là. Alors, nous avons un historical records, nous avons une biographie de mon narrateur hadith. Non, allez, nous check un coup. Après là, nous pouvons finir connaît si ce narrateur qui peut dire, donc qui peut parler de son adal, il peut rapporter depuis un cheikh, est-ce qu'il est un cheikh là ou bien il n'est pas un cheikh là? Donc, s'il n'est pas un jeune, il est parti dans même l'époque, tout ça. Alors, nous finissons connaît il y a un break, il y a une rupture, il y a une coupure dans la chaîne de transmission et ça l'est obvious. Ça l'est obvious. Mais hidden là, c'est quoi? Hidden là, c'est quoi? Alors, il explique nous en bas. Il dit nous, Wassani, Wassani al-Mudallas, the second type, c'est-à-dire the type de hadith, côté na, and hidden omission, c'est Mudallas. Mudallas. Right? Il est là, Mudallas. C'est ismou mafroul pour ban qui connaît un petit peu arabe mo pe dire ça pour ban qui pas connaît arabe pas intraka inchallah bientôt nous prenons une leçon arabe qui nous pour commencer ou capable join nous les pour pareil online comme on peut faire et ou pour les pour aider inchallah pour ban qui connaît arabe une cause mudallas alors mudallas li sorti depuis dallasa yudallisu. C'est bab taf'il, ça. Right? Bab taf'il, da verbe, bab taf'il. So, masdar, c'est tadlis. Celui qui fait tadlis, nous appelons les mudallis, ismou fa'il. Et l'autre, c'est qui fin fait tadlis, c'est mudallis. Donc, tout ça, là, les related, ça. Right? Nous avons un verbe là. Après, nous avons ce ismou fa'il, veut dire celui qui fait à l'action. Et ça quitte ce loki action là, fin fait related. Anyway, si pas bien comprend, pas grave, m'explique-vous. The second type, c'est-à-dire, côté na the hidden omission, appelé comment? Mudallas.
Celui qui peut rapporter sa hadith mudallas là, appelle-le mudallis. Celui qui peut rapporter hadith mudallas là, appelle-le mudallis. Mudallis. Right? Alors, mudallas. Get mudallas là et get mudallis. Right? À part ce alif nam, mais il n'est rien pareil, non? Ici, simplement, il y a une lame zabar, lame fatha. Ici, il y a une lame kasara. La li. Mais seulement, li sans signification là. Right? Ici, avec zabar, limine une autre affaire. Ici, avec zir, mudallis, limine une autre affaire. Pour ça, nous devons faire bien attention quand nous pouvons lire le Coran. Parfois, il y a du monde qui dit un réazir, zabar, même une fait non, qui grave est la donne? Non, il est grave. Il est grave. Allah pardonne, Allah pardonne, oui, mais nous besoin prendre précaution. Nous pas qu'adien ne qu'un réazir, zabar, salé, salé. Non, non, il sans signification là, il garde. Alors, à cause ça, plutôt lire Tigit, Coran Sharif, besoin de lire, besoin de faire Tilawat. Mais de place, on va dire, je lis beaucoup. Mais on peut mal lire, plutôt lire Tigit. Lire Tigit, lire Libye. Avec Tajwid. Alors, the second type, the right, Hadith Mudallas, celui qui peut rapporter sa Hadith Mudallas, là, comment on appelle lui? Mudallis. Mudallis, he mentions it with the words of delivery that give the possibility of the occurrence of the meeting between him and the one he ascribes it to. Like an and qala. Vous connaissez, il n'est pas clair du tout là. Right? Il n'est pas clair du tout. Hafid ibn Hajar, il finit explique-moi. Mais peut-être vous ne comprenez pas. Non, pas grave. Nous pouvons expliquer, inshallah. Ok. Donc, nous pouvons cause mudallas. Nous finis comprendre que mudallas, c'est quoi? Mudallas, c'est hadith qui peut faire tadlis. Hadith qui est là en omission, hadith qui est an omission qui hidden, qui caché, right? Ça nous fini connaître. Ok. Literally, mudallas, c'est, so literal meaning, c'est the seller concealing defects de marchandises qu'il peut vendre à un buyer, right? Ça c'est tadlis. C'est-à-dire, moi j'ai un potable par exemple pour me vendre de potable là il y a un problème là-dedans par un réseau par exemple qui m'en fait mon nez sans ce cover mon nez donc sur screen c'est qui met le screen là mon sans ça après là m'en fait comme on dit il y a un potable neuf m'en vend il y a un problème là-dedans de potable là par un réseau bien c'est un problème important ça parce que un portable servi pour téléphoner si pas un réseau bien donc ou bien dire sa bailleur là qui a sa problème là dedans mais moi qui m'en faire mon conceal sa défaut qui est dans sa portable là avec sa bailleur là literally tadlis means ça right? Alors it is derived from the word dallas meaning darkness. Il dérivé depuis le mot Dallas qui mine darkness. Ça, c'est le so literal meaning. Istilahan, technically, Tadlis, donc, ça m'a fini explico. Dallas, Tadlis, so type de Dallas, Yudallis, ou Tadlis, ou Hua Mudallis, Padaka Mudallis. Okay. Istilahan, technically, Tadlis, c'est quoi? Tadlis, c'est concealing a flaw, a defect in the isnad and enhancing its appearance. Tadlis, the langage hadith, veut dire ou cacher un défaut dans chaîne de transmission du hadith ou cacher le défaut là. Il y a un défaut, il y a un manquement ou cacher le défaut là et ou embellir sur l'apparence. À cause ça, donc, défaut là, omission là, living, hidden. Du monde, pas pour ici détecter. Normalement, historical records aussi, parfois, il n'est pas aidé là. Right? Parce que, narrateur là,
narrateur qui peut faire tête lisna, modèle lisna, qui les fait, les cacher de sa défaut là, dans la chaîne de transmission, les cacher de défaut là, et les embellir sur l'apparence. On prend pareil que moi, l'auto, on peut venir l'auto, moi, même pas bon là-dedans, mais c'est moi, on est à faire peinture li, bien joli, et là, au fond, li. On prend. Maintenant, là, peut-être, on peut penser, les têtes lisses, n'est pas bon. Vraiment, n'est pas bon. En général, sur Hukum, n'est pas bon. Mais seulement, finenali. Et parfois, fin fairly, parce que tibisin fairly. Parfois, malheureusement, fin fairly à cause tibisin fairly. Right? Et parfois, son fairly, certains timon fin fairly têtes lisses, ils n'ont pas tibisin fairly. OK? Donc, Comment Tadlis arrivé dans ban hadith ça qui nous est là pour comprendre maintenant. Il y a nous aqsamut tadlis veut dire types of tadlis. Ça c'est quelque chose qui nous supposé connaître hein. Aqsam le plural du mot qism. Donc types of tadlis. D'accord? Alors, quand nous cause types of tadlis, nous avons deux types de tadlis. Nous avons un qui nous appelle le tadli sur l'isnad et deuxième nous appelle le tadli sur le chuyur. Un par un, il peut expliquer nous là, Inch'Allah. Très bien. Tadli sur l'isnad, c'est quoi? Tadli sur l'isnad, c'est. Essayez de si vous même vous comprenez. Si je suis dans une classe, là, moi, je peux demander où qui vous peut comprendre. Il y a une classe face à face. Mais vu que bon, le Zoom est nous peinant autant les temps, pas pour les temps devant nous qui on peut comprendre, mais quand on était là, il s'est pensé qu'il y peut dire nous là. Nous sommes anglais là. Tadli sous l'isnad, c'est traduction anglais là, ça, hein, c'est ce texte arabe là, ce traduction, c'est-à-dire ce meaning, ce definition, tadli sous l'isnad. Et un autre tadli sur l'isnad, c'est un narrateur, reports from someone he have heard from, yet he narrates something which he did not hear directly from him. A narrator reports from someone he have heard from, yet he narrates something which he did not hear directly from him, doing so without saying that he heard it directly. Ça, c'est Tadli sur l'isnad. Nous lions en bas là, après là, là, moi, explique. It takes the form of a narrator reporting from a sheikh from whom he heard some hadith. However, as for the hadith of which he's making Tadlis, he did not actually hear it from him, but instead heard it through another person from his initial sheikh. Hence, he omits that person and narrates it from his initial sheikh using a phrase that could imply direct hearing as well as the lack thereof, such as qala, he said, or an, from, in order to give the impression that he did not actually hear it. He does not make the outright claim that he heard it directly and refrains from using phrases like sami'tu or haddathani, sami'tu, I heard, haddathani, he narrated to me, so that he would not be lying. Furthermore, it is possible that he may have omitted one or even more people. Et là, moi demain, nous pour réfléchir à l'Ola, que, par exemple, Zrodi, ça fait maintenant qu'il nous est là, mais habituellement, cause l'Ola souvent, nous pas en prendre une science. Din, bon, pas peut-être ou puis en prendre ou, mais en général, nous prenons côté dunia et après din, nous pensons une traduction anglais pour suffit pour me comprendre din. Traduction Coran suffit pour me comprendre Coran, une traduction hadith suffit pour me comprendre hadith. Là, ça c'est qui explique nous la lit en anglais. Bon, pas dire personne qui connaît anglais, pas pour comprendre celui qui pas connaît science hadith, mais seulement. Vraiment, il n'est pas facile pour comprendre. À cause de ça, donc, nous besoin, comment dire, nous besoin encourage man cercle de
ilm, man majalisul ilm. Celui qui connaît, il enseigne les autres. Comment nous donne l'importance, ilm, connaissance, dunia, qui nous bizarre donner l'importance, mais seulement comme ça même nous bizarre donner l'importance, par exemple, organiser un cours sur le hadith, un cours aqida, un petit cours sur le fait, pour nous même jeunes, nous même apprendre. Qui peut arriver là? Moi, explique-moi. Nous pouvons tadlis sur l'isnad. Disons, nous avons deux narrateurs. Nous avons un narrateur qui nous appelle Zayd. Zayd qui est Shaykh. Et après, nous avons un deuxième narrateur qui nous appelle Amr. Amr. Right? Rappelle bien Samola, ce n'est pas Amrou ça. C'est un djimoun qui a ça Amrou, il n'est pas bon. Samola, c'est Amr. Right? Qui fait une mette sa waoula? Sa waoula, il mettait pour faire différence entre le mot Omar et donc, pour quelqu'un, si nous ne pas mettre waoula, quelqu'un capable de lire Omar. Parce qu'il, normalement, pas mettre Zabar Zerpech devant le livre arabe. Right? Un livre classique, Zabar Zerpech Pena. Donc, attention, quelqu'un de lire Omar, à cause de mettre sa waoula pour lire Amr. Maintenant, là, il y en a deux narrateurs. Amr peut rapporter un hadith depuis Zayd. Zayd, Cheikh, Amr, les élèves. Et nous, il y a Amr, l'in rapporter, disons, par exemple, l'in rapporte deux hadiths depuis sa Cheikh-là. L'in rapporte deux hadiths depuis sa Cheikh-là. Amr, l'étude à l'époque de Cheikh Zayd, ici dans même l'époque avec lui, l'inal kotli, l'inzouenli tout, right? L'in en prend avec lui, l'in rapport hadith depuis Zayd. Mais seulement, il y a, par exemple, un hadith qui Amr pas fait un rapport depuis Zayd directement. Il n'y a pas fait un rapport depuis Zayd directement. Un hadith n'y a pas un rapport depuis Zayd directement. Qui fait un hein? Pas une raison, il est capable de ça. Il n'y a pas un rapport de hadith ça directement parce que l'inal dans la classe, au stade Zayd, il peut enseigner hadith. Amr fait une bise sortie, par exemple, l'inal toilette, par exemple. Et donc, Oustad Z, il continue sur le son hadith. Oustad Z, il continue sur le son hadith. Maintenant, quand Amr retournait, normal, Oustad, Cheikh, Zayd, il n'est pas pour répéter ce qu'il est fini dire. Il n'est pas pour répéter ce qu'il est fini dire. Mais Amr, il rate ça un hadith-là. Il n'est pas écouté directement depuis Zayd. OK. Quand il rate ça un hadith-là, qu'est-ce qu'il peut faire? Nous, un jour, nous pas à l'école. Qu'est-ce qu'il nous fait? Nous prenons notes avec nos camarades. Lui aussi, il peut prendre notes là avec ses camarades. Il peut prendre un hadith là avec ses camarades. Donc, par exemple, pour ça, un hadith qu'il a raté là, il n'est pas gagné directement depuis Oustad là. Il ne passe pas un intermédiaire, nous appelons-le, disons, Bakr. Son camarade dans la classe. Right? Ça, un hadith qui l'a raté là, il demande avec son camarade dans la classe, Bakr. Et Bakr, j'ai un hadith là, il y a un hadith là. Et Bakr, il y a un hadith là depuis Oustad, depuis Cheikh Zayd. Maintenant, Amr, qu'est-ce qu'il a fait dans ce cas? Parce qu'il y a un hadith là. Bon, ça a deux hadiths avant là. Ça, l'ingé, ça directement depuis Zayd. Bien bon. Les rapports li directement depuis Zayd. Pas de problème là-dedans. Mais seulement là, dans le cas de ça, un hadith, par exemple, l'utilisé sorti depuis la classe.
li nan rat sa en hadith la. Li pan gen sa en hadith la directement depi so oustad, li gen sa hadith la depi en camarade ki apel Bakr. Et Bakr fin gen sa depi Zayd. Amr, ki tibiza fe a? Amr l'utilisait dans sa chaîne de transmission de sa hadith là. Quand il peut rapporter sa hadith qu'il a raté là, dans sa chaîne de transmission, l'utilisait dire qu'il peut rapporter sa hadith là depuis Bakr et Bakr peut rapporter sa hadith là depuis Zayd. J'espère que vous pouvez comprendre ce que je peux dire. Parce que l'Ipan gagne ça directement depuis Zayd. Lingay ça depuis Bakr, même Bakr, li so camarade, li tibizan dire qu'il prend ça depuis Bakr, et Bakr fin prend ça depuis Zayd. Mais seulement Amr pas envie faire ça. Il pas envie faire ça. Qui fait? Mais un peu même une raison, il est capable de faire ça. Mais qui fait dans mon chaîne de transmission pour un mon camarade son nom? Pas capable d'un mon camarade son nom. Il paraît comme à moi. On comprend parfois, il y a un problème de ego aussi. Aïe, qui fait besoin à mon camarade ce nom? Comprends? Mais qui les fait là? Les coupes son camarade ce nom. Les coupes camarade là ce nom. Il pas mention camarade là ce nom. Les coupes ce nom. Les rapports ça en hadith qui n'est pas n'écoute Zayd là, les rapports ça depuis Zayd même. Les rapports ça depuis Zayd, il y a directement le Zayd. Mais seulement quand il fait ça, il prend précaution. Li malin, Amr malin. Quand Amr peut rapporter ça en hadith qu'il a raté là directement depuis Zayd, qu'il n'est pas tibizan faire, les tibizan mentionnent le nom de Bakr normalement dans une circonstance ordinaire, mais il y a directement le Zayd, Astéa, li malin. Li pas dire pour ça en hadith là, li pas pour dire Samir tout. Qui veut dire I heard, right? Il n'est pas pour dire Sami'tu Zayd. Il n'est pas pour dire qu'il m'entend Zayd. Ça, il n'est pas pour dire. Ou bien, il n'est pas pour dire Haddathani Zayd. Right? Il n'est pas pour dire Haddathani aussi. Haddathani. Right? Haddathani. Haddathani Zayd. Zayd fait un rapport à moi. Il n'est pas pour servir ça des mots-là. Akhbarani aussi. Il n'est pas pour dire. Qui fait ya? La raison, c'est s'il dit Montan Zayd concernant sa haine, a dit qu'il n'est pas Montan Zayd là, mais du monde pour dire tu es menté. Tu es menté. Amr, tu es menté. Parce qu'il n'est pas Montan Zayd, dit sa hadith. Tu n'es pas dans la classe salée là. Tu n'es pas Montan Zayd directement. Mais comment tu as dit Montan Zayd? Comment tu as dit Zayd fin de moi? Hein? Mais maintenant, pour dire qu'il y a un menteur, et quand pour dire qu'il y a un menteur, il n'est pas pour. Alors, il est pour perdre sa réputation comme un narrateur hadith. Right? Menteur, c'est une grande critique, ça. Il est pour perdre sa réputation. Mais Astéa, il n'a pas envie de mentionner le nom de Bakr, et en même temps, il n'est pas capable de dire Samir tout, il n'est pas capable de dire Haddathani. Mais là, il fait malin. Qu'il fait? Dans la place, il dit Samir tout, dans la place, il dit Haddathani. Li servi ban mo kuma qala. Qala Zayd. Qala Zayd. Amr pour venir pour dire qala Zayd. Ou bien, qala Zayd veut dire Zayd fin dire. Ou bien, il peut dire an Zaydin. Bon, qui fait ici des un, qui fait des in, ça donc là, ça va m'obdjao. Mais qala Zaydun veut dire Zayd fin dire. An Zaydin, veut dire from Zayd, right? From Zayd, correct? Alors, il n'est pas pour dire Samiratu, il n'est pas pour dire Haddathani, il peut dire Qala ou bien il peut dire An. Il peut rapporter Hadith qui dit Ratela, pour servir le mot Qala ou bien An. Il n'est pas pour mentionner son camarade, son nom. Alors, là, qui est venu demander, tu peux dire Qala Zayd. Ou Amr, tu peux dire qu'il a Zayd concernant sa hadith qui ne pas écoute directement Zayd. Right? Mais est-ce qu'il t'en écoute? Tu n'écoutes Zayd directement? Il vous dit non, on va écouter Zayd directement. Mais jamais on dit mon écoute. Jamais on dit Samir tout. Jamais on dit Haddathani. Je ne vais pas mentir. Simplement, je peux dire Zayd fin dire.
simplement mon pédia Z fin dire. Ou bien, il dit mon simplement pédia from Z. Right? From Z. Bon, pas pédia qui m'en écoute Z. Alors, qu'il est fait? Il coupe sa narrateur là, il n'a pas envie de mentionner. Il choisit ce mot approprié qui, certains du monde, capable de penser l'ingé ça directement depuis Z. Mais seulement, il peut prendre précaution pour personne, pas dire qu'il est un menteur. Et en réalité, il y a un narrateur au milieu qui dit omit là. C'est ça même qui, de définition là, l'indire. Un narrateur, les rapports depuis un cheikh. Qui l'injoigne sa cheikh là. L'in rapporte certains hadiths depuis sa cheikh là. Mais un particulier hadith, il n'est pas n'écoute cheikh là. Mais seulement, il rapporte les paroles de mots qui ou pas pour connaître, ou pour penser, il peut rapporter, vu que l'Indesa rapporte Hadith depuis sa chair là, ou pour penser, ça n'a là aussi, il écoute chair là directement. Mais en réalité, ça n'a là, il n'a pas gagné directement. Et il n'a pas envie de mentionner sa personne avec qui il en prend. J'espère que vous comprenez. J'espère qu'ils comprennent. Est-ce qu'ils comprennent? Nek diamant. On peut attendre zot message le chat. Allez. Ouais. Alhamdulillah. Allez. Peut-être aujourd'hui nous pouvons dépasser 45 minutes. Baza qui a dit pour OK? Non, aucun problème. Non. On va essayer de terminer. Parce que... Allez. Nous guettons l'exemple. Maintenant, exemple. Si Aster ou lire sa définition-là et son explication, vous comprenez. Right? Explique-nous ça même là. Seul exemple, c'est qui Al-Hakim a rapporté avec ce sanad. Ok. Tout Ali ibn Khashram ou Said ibn Uyayna said to us. An Az-Zuhri. Ibn Uyayna a rapporté depuis Az-Zuhri. Rahimahullah. C'est deux grands savants, ça. Hein? Right? Maintenant, là, ce qui m'en explique où, malin, tout ça, il n'y a pas de tout bon cas, comment dire, ego problème, tout ça. Non. Parfois, je donne une raison valable pour faire ta liste. Vous pouvez étudier là. Une parmi les raisons, laisse-moi dire où là. Une parmi les raisons pour faire ta liste, parfois, c'est l'omit ban narrateur là. Parce que Dimon est en confiance loli et Dimon pas besoin vraiment narrateur là, ça lui là, Dimon besoin ruling, un ruling. Alors, il omit narrateur là, un grand cher, il omit narrateur là. Ça aussi, c'est possible. Encore une raison, nous pouvons être ça devant. Tu veux me dire où ça? Parce que Soufiane ibn Uriya, il y a un très grand alim ça. Right? Il y a un parmi les narrateurs de Sahih Bukhari. Il peut faire cette liste là. Donc, il y a une bonne pensée concernant lui. Alors, Soufiane ibn Uyayna, il rapporte quelque chose depuis Zuhri. Et là, maintenant, devant lui, he was asked, did you hear it from Az-Zuhri? Est-ce qu'il y a un ton Imam Zuhri? To which he replied, no. Il répond, il dit non. Neither from Az-Zuhri, nor from the person who heard it from Az-Zuhri. Right? Neither from Zuhri, nor from the person who heard it from Az-Zuhri. Il quitte deux là. Il dit, Abdul Razak narrated to me from Ma'amar, from Az-Zuhri. Here, Ibn Uyayna, rahimahullah, omitted two narrators between himself and Az-Zuhri. Donc, il fait Tadlis là. Il fait Tadlis et il omit deux narrateurs. Mais seulement, comme on a fait une demande, donc ça, c'est un exemple qui est dans le livre Science Hadith. Nous continuons maintenant.
Concernant ce type de tadlis-là, ce ruling, c'est dit extremely undesirable, right? Makruh, dit détestable, and most of the scholars have condemned it. La plupart de mes savants ont condamné ça. Right? Et Shouba, Imam Shouba, rahimahullah, les dit tadlis, les brothers de lying. Right? Maintenant, nous continuons. Tadlis ou taswiya. Ça est un peu plus grave. Tadlis ou taswiya, this is a type of tadlis al-isnad where a narrator reports from his sheikh, then omits a da'if narrator between two thiqa narrators, both of whom met each other. This means the narrator narrates a hadith from a sheikh who is thiqa, and the two thiqa narrators met one another. Hence, the mudallis who heard the hadith from the first thiqa omits the da'if narrator and then links the isnad from his sheikh, the first thiqa, to the second thiqa, using a phrase that could imply direct hearing. This makes the isnad appear to contain only thiqa. Qui lui peut raconter? M'explique. Après un autre des exemples, il y a une pensée. Amira me pose une question. Comment un dîmon qui pas connaît Usul al-Hadith ou connaît quand il y a une omission de chaîne de transmission? Mais il n'est pas pour connaître. Il n'est pas pour connaître. Parfois, dîmon qui connaît Usul al-Hadith aussi, pas réussi connaît. Parce que ils ont beaucoup de choses. Nous besoin avec ce qui va nous rouler. Je vais expliquer là. Ok. On explique peut-être 10 tests. Alors, comprends. Il y a un narrateur. Okay? Il y a un narrateur, on appelle lui Zayd. On appelle lui Zayd. Zayd, il peut rapporter depuis un narrateur qui séca. Séca veut dire digne de confiance. Séca veut dire digne de confiance. Et ce narrateur qui s'y là, il peut rapporter depuis un narrateur qui doit doivent même. Hein? On ne peut pas donner aucun nom, non, rien. Narrateur là, il doit narrateur là, il faible. Ensuite, ce narrateur doit là, il peut rapporter depuis un narrateur qui s'y ouais, bon là. Chaîne de transmission là, elle est comme ça en réalité. Nous avons Zayd, narrateur là. Celui qui pouvait faire Tadlis là, il appelle Zayd lui. Il peut rapporter depuis un narrateur qui est digne de confiance. Mais seulement ce narrateur qui est digne de confiance là, il peut rapporter depuis, donc depuis ce cher, mais ce cher, il doit arriver, il est faible. Et ça d'arrive là, l'hyper-rapport depuis un narrateur qui est digne de confiance. Donc, chaîne de transmission là, comme ça, il remonte jusqu'à Sahabi, Rasulullah, sallallahu alayhi wa sallam. Maintenant, là, qu'est arrivé? Zayd n'a pas envie, parce que Zayd, quand il pose cite ce chaîne de transmission, ouais. Zayd, quand il pose cite ce chaîne de transmission, qu'elle possède ce chaîne de transmission, possède ce hadith. Normal, il peut bien mentionner ça, cheikh là. Alors, il sait qu'il n'y a pas de problème. Et il peut bien mentionner ça, sa cheikh là, sa narrateur là. Mais il doit arriver. Alors, Zayd, pas envie qu'il de ce chaîne de transmission et n'a un narrateur qui fait, il n'a pas envie ça. Il y a envie qu'il se chaîne de transmission et n'a tout un narrateur qu'il faut.
Zayd a envie ça. Alors là, il y a un problème là. Il a envie qui de ce chaîne de transmission tout bande narrateur la faux. C'est-à-dire comment il peut faire ça? Comment il peut faire ça? Zayd, il connaît une petite chose, il y en a une information. Qui information il y en a? Il connaît qui sa chair avec qui? Il en prend là, là, ça, chair là, ça. Sa chair là. Zayd connaît ça. Zayd connaît qui sa chair là. L'inzouen sa chair là. L'inzouen li. L'inzouen li. Et il y a un hadith qui sa narrateur là. L'in rapport de sa narrateur là. Il y a un hadith. Un simple exemple. Majaou, par exemple. Combien parmi nous que nous avons Ahmad Durrani Siddiqui, rahmatullah alayh. Nous connaissons. Nous connaissons. Alors, il y a certaines petites choses, nous n'écoutons pas. Oui. Mais il y a beaucoup de petites choses qui ne nous écoutent pas, Maulana Nourani, directement. Parfois, nous gagnons quelque chose, par exemple, à travers Maulana Anas. Donc, même nous avons Maulana Nourani, mais il y a certaines choses qui nous disent passent par une autre personne pour gagner ça depuis Maulana Nourani. Comprends? Mais ici aussi, un peu pareil, là. Le hadith qui Zayd peut rapporter là, le hadith qui Zayd peut rapporter depuis sa narrateur là, mais sa narrateur là, il n'est pas directement depuis sa narrateur là, pour une certaine raison. Par exemple, il n'est pas de salle de classe, ça joue là, il n'est pas depuis un camarade qui fait. Right? Alors, Zayd, il connaît qui sa narrateur là, et dans certains hadiths, il n'est pas directement depuis sa narrateur là. Vous êtes dans même l'époque? L'in rapporte certains hadiths depuis sa narrateur là, directement. Mais sa particule hadith qui Zayd peut rapporter là, là-dedans, il y a un narrateur qui est faible. Mais Zayd, son problème qui était, son problème c'est qu'il n'a pas envie de sa chaîne de transmission et un narrateur faible. Comprends? Mais qu'il y fait là? Ce qu'il y fait, c'est qu'il coupe sa narrateur qui est faible là, il coupe. Vu qu'il connaît, ou quand on parle rodé, ou pour rodé sa narrateur là, ou, right? Ou pour rodé lui, par exemple, il appelle Bakr, ou pour le rodé l'eau, sa Bakr là, ou pour connaître qui Bakr finzouen, par exemple, Amr, sa narrateur là appelle, Amr par exemple, ou pour le rodé d'avant le livre al-Murrijal, il peut dire, ou Bakr fin rapport depuis Amr. Oui? Mais où vous pensez, mais Bakr, tu dans même l'époque avec Amr, l'inzouen lui, il en prend. Avec lui, mais Bakr, il en prend directement avec Amr. À cause de ça, nous pouvons c'est un hidden omission. Mais Zayd, lui servit ça, comment dire, pour lui, parce qu'il a envie de cacher le défaut de sa chaîne de transmission, lui coupe sa narrateur qui doit là, lui connecte sa narrateur là avec sa narrateur là directement. Mais là aussi, ici aussi, là, quand il peut connecter sa narrateur là, dans ce hadith, qui m'opérait, sa narrateur là, pantan directement ça, bien un narrateur au milieu d'arif. Mais là, il n'est pas pour capable, Zayd, par exemple, quand il peut rapporter ça, il n'est pas pour capable de dire qui sa narrateur là, ici, donc, Bakr, intan Amr, dans ce chaîne de transmission, il n'est pas pour capable de dire ça. Il n'est pas pour capable de dire Bakr, fin tan Amr, ou bien Amr fin rapport à Bakr. Il n'est pas pour qu'il y ait quelque chose comme ça. Sinon, il peut venir menteur. Alors, par exemple, là, il peut servir un mot comme un from Bakr fin gagne depuis Amr. Il servit qu'il Bakr fin dire que Amr, donc Bakr peut dire que Amr fin dire tel quelque chose. Alors, ou vous pensez qu'il peut rapporter ça directement depuis Amr, mais seulement là, il coupe sa narrateur là au milieu. Vu que ça est là, fin des azouens, et il y a un hadith qu'ils ont rapporté. Hein? Donc, ça, c'est le deuxième type de tadlis qui nous peut étudier là. Donc, vous pensez, ça, là aussi, on comprend. On comprend. Nous, get. Nous, get un autre là. Voilà.
This is a type of tadlis al-isnad, where a narrator reports from his sheikh, then omits a da'if narrator between two thiqah. Right? Alors, les rapports de Pienchère, Eli omits a da'if narrator between two thiqah narrators, both of whom met each other. This means the narrator narrates a hadith from his sheikh who is thiqah. Comment nous expliquons là? That thiqah narrates from a da'if narrator who narrated from another thiqah. And the two thiqah narrators met one another. Hence, the mudallis who heard the hadith from the first thiqah omits the da'if narrator and then links the isnad from his sheikh. Right. Et l'isyavi banmo qui capable imply direct hearing, du monde pour penser il écoute directement, et là qui fait lui faire ça, il conceal defect qui est dans sanad là et il enhance it, il embellit it. De quelle façon il embellit lui de sa façon là, qui comme si chaîne de transmission là il contenir seulement ban narrateur qui sira. Right. Alors ça, est-ce que c'est bon? Non, c'est pas bon. Ça, c'est pas bon. OK? Donne-nous un exemple. Exemple, c'est facile. Nous mettons dans une table. Right? Alors, là, c'est facile. Ce exemple, c'est Ma Rawahu Ibn Abi Hatim. Ibn Abi Hatim, il rapporte ça dans ce livre Al-Ilal. Kennington, ce papa, bon, on va rentrer dans le détail. Ce qui est important pour nous, c'est ça, hadith là. OK? Donc, Nouéna. Ishaq ibn Rahawai. Voilà. Ishaq, alors voilà, sa première narrateur depuis en bas, ça, hein? Ishaq ibn Rahawai. Puis rapport depuis Baqiya pe rapport depuis Abu Wahab al-Asadi. Abu Wahab al-Asadi pe rapport depuis Nafi'. Nafi' pe rapport depuis Ibn Umar. Ça, c'est une chaîne de transmission. Alors, chaîne de transmission qui nous lie là, lit comme ça. OK? Alors, Ishaq ibn Rahawai pe rapport depuis Baqiya. OK, Baqiya. Et Baqiya per rapport depuis Abu Wahab, qu'il y appelle Ubaydullah ibn Amr. OK, même du monde ça. Abu Wahab, li per rapport depuis Nafir. Ou get la chaîne de transmission là-haut, Abu Wahab al-Asadi per rapport depuis Nafir. Correct? Alors, Nafir per rapport depuis Ibn Umar, radiyallahu anhum. Allez. Problème là, côté était ici. Problème là, c'est sa narrateur Baqiya. Baqiya, il y a un narrateur mudallis. Baqiya, il fait tadlis. En réalité, chaîne de transmission, vraie chaîne de transmission, là, c'est ça. Ça, ici, là. OK? Ça, c'est vraie chaîne de transmission. Baqiya, fait un rapport hadith là depuis Abu Wahab, qui est un thiqa, qui est digne de confiance. Et Abu Wahab pangain sa hadith sa depuis Nafir. Non, li pangain sa depuis Nafir. Malgré. Et non, certains hadiths qui disent en prend depuis Nafir, mais sa particulière hadith sa, li pan en prend depuis Nafir. Abu Wahab li n'gain sa depuis Ishaq ibn Abi Farwa. Et Ishaq ibn Abi Farwa li da'if, li faible. Right? Li faible. Alors, Baqiya, li connaît qui Abu Wahab finzouan Nafir. Qu'il est fait, li omit Ishaq ibn Abi Farwa. Li omit li, li coupe li, li pas mentionné. Et li pas mentionné d'une façon comme ça. Li pas servi ban mot, par exemple, qui Abu Wahab finten Nafir. Non, li pas dire ça. Li nek servi an Abu Wahab al-Asadi per an. Depuis Nafir. Abu Wahab al-Asadi, depuis Nafir. Right? Mais là, qu'il y a un narrateur d'Arif au milieu, l'in
si elle lit, mais elle n'est pas mentionné, juste pour donner l'impression qu'il se bat narrateur, donc Ibn Omar, sahabi, Nafir, les Thika, Tienazis, un narrateur, Ishaq Ibn Abi Farwa, qui lui fait blin Tiali, parce qu'il y connaît Abu Wahab, finzouan Nafir. Si Abu Wahab, pas tizouan Nafir, il va du bouquin faire ça, hein? Sinon, break là, coupure là, il est tipo obvious. Comprends? Mais là, vu que l'iconé, Abu Wahab fait une affaire, il en prend certaines choses et puis une affaire, alors il coupe au milieu, il sape, il coupe ça, un narrateur là, et donc il présente les comme ça. Ça, c'est Tadlis, Taswiya. Right? Il comprend ça? On va get mon chat. C'est un alim de Maurice. Je ne sais pas si c'est un alim de Maurice. C'est un alim de Maurice. C'est un camarade, l'imam, tout ça. Tu peux compter les lois de Masla. Et là, ce alim-là, si tu es avec ce camarade, je peux prétendre être alim Edine, être tout ça, Hazrat Maulana, tout ça là. Mais viens, explique-moi, Tadlis, qui était ça. Viens, explique-moi, Tadlis, qui était ça. C'est vraiment un alim. Donc, c'est un sujet assez difficile. Alors, pour ça, nous pouvons prendre le temps, nous pouvons essayer d'expliquer. Donc, si je ne comprends, nous continuons. Peut-être provoquer un message. OK. Enfin, non, pas grave. Peut-être un problème technique. Nous continuons. Hukum Tadlis Taswiya. So, ruling, c'est even more dislike. Then Tadlis al-Isnad, al-Iraqi stated it emanates from someone who did it deliberately. Right? Allo, Tadlis Taswiya, li dislike. Et li vin depuis celui qui fin faire ça par exprès ou pas besoin faire ça. Maintenant là, nous vin vers Tadlis ou Shuyur. Tadlis ou Shuyur, ça li facile. Ça n'a li facile. Nous vin comprendre vite. Encore une 10 minutes, nous terminons la classe. Tadlis ou Shuyur, c'est a narrator reports a hadith from his sheikh, which he heard from him directly, but names him using a name, kunya, nasab, or description by which he cannot be recognized in order to conceal his, that is, the sheikh's identity. Alors, qui peut arriver là? Un narrateur, les conciles, right, les rapports depuis un cheikh, mais seulement les mentionne sa cheikh là par un autre nom. Pas par un nom qu'il est reconnu, par un autre nom. Alors, so, l'autre nom, par exemple, par son kunia, ou bien par son nasab, right, il appartenait à. Qui l'endroit, par exemple, qui pays, ni mentionne ni pas un autre nom. De sa façon-là, Dimoun Papoukon, sa chair avec qui sa rawila peut rapporter. Me donnons un simple exemple pour venir comprendre. Là. Disons, mon père rapporte depuis Moulana Shah Ahmad Nourani Siddiqui Rahmatullah Ali. Si mon père rapporte depuis Moulana Nourani, me dit Haddathani Moulana Nourani. On finit qu'on est qui s'en a mopé mine là. Avec tout le monde connaît comme Moulana Nourani. Pas de problème. Mais c'est moi, Mouvini Moudiaou, Haddathani Abu Anas. Haddathani Abu Anas. Abu Anas, papa de Anas. Mais là, Moulana Nourani, vraiment, li Abu Anas. Vraiment, li Abu Anas. Ce garçon, c'est Moulana Anas. Right? Mais comme on vient de dire, Haddathani Abu Anas. Ou peut penser à un autre narrateur, ça. Ou peut penser à un autre cheikh, ça. Mais déjà, moi, il y a un cheikh, Moulana Nourani. Moi, il y a un autre cheikh, appelé Abu Anas. Moi, il y a deux cheikhs. Rappelle bien dans le passé, mon ulama, maintenant, il y a beaucoup de chouyours. Mais déjà, je voyage beaucoup, je t'en prends un hadith, beaucoup. Un millier de chouyours, je t'en ai. Mais moi, en fait, comment dire, tout le temps, je viens de me rapporter depuis un seul cheikh.
au bout d'un mois, tu n'as pas voyagé, tu n'as pas le droit de hadith, tu n'as pas cherché hadith, tu n'as pas de zis depuis un cher, mais astère moi, je n'ai pas envie de dire moi sa parole. Là. Mais, et en même temps, je n'ai pas envie de causement, je n'ai pas envie d'inventer un nom. Donc, il m'a offert. En zoom, je viens de dire, Haddathani, Maulana Nourani, Maulana Nourani, fin rapport à moi. En l'autre zoom, je viens de dire, Haddathani, Abu Anas. Abu Anas, fin rapport à moi. Ou vous pensez un deuxième narrateur, ça. Mais c'est moi, là, si vous demandez moi, vous dites, mais Abu Anas, qui s'en a te pémine? Et là, mon cas, je dis, non, mais mon pémine, Maulana Nourani, pas Abu Anas. Il aime ça. Vous comprenez? Moi, il a mon point de défense, moi. Mais si personne ne doute, moi, ben du monde pour penser mon père rapport depuis deux narrateurs, pas un seul narrateur. Et l'autre jour, je me dis, Haddathani al-Baghistani. Haddathani al-Baghistani. Al-Baghistani veut dire, al-Baghistani veut dire Pakistani. Right? Bon, ça servit. Right? Al-Misri, Ibn Abdel Wahhab, Najdi, Barilwi, comprends? C'est-à-dire, ascription à ce lieu que vous restez. Madani, Makki. Alors, je dis au Haddathani al-Pakistani. Un narrateur, un cheikh pakistani fait un rapport à moi. Aster. Ou vous pensez peut-être que c'est un autre narrateur. Mais ici, mon père rapporte depuis un seul du monde. Mais mon sens au nom. Ça appelle ça Tedli Souchur. Je n'ai pas de sens ce nom, mais je peux servir un autre nom hein, qui capable de servir pour sa même chair. Là. Alors, ça, maintenant, normal, si je peux faire ça, si je peux faire ça pour montrer qu'il soit disant, moi, il y a beaucoup de narrateurs, moi, il y a beaucoup de chouyours, normal, il n'est pas bon. Normal, il n'est pas bon. Mais seulement, parfois, il y a une raison valable. Que ben Rolama maintenant fin bizin fait de lis chouyour fin bizin. Un simple exemple de nous, Imam Ahmad ibn Hanbal, rahimahullah, très grand alim, très grand muhaddis, très grand imam. Un certain temps, pardon, quelques années de cela, vie Moubarak, il n'a pas gagné le droit d'une leçon. Tu mets ban l'eau, il n'a pas gagné le droit d'une leçon. Et un alim. Un alim, ce grand passe-temps, un vrai alim, un vrai alim, ce plus grand passe-temps, c'est apprendre et enseigner. Un alim, par exemple, un jour, il n'a pas gagné manger, mais bon, il a fait sa barre là. Mais seulement, apprendre et enseigner, il n'a pas qu'à rester sans ça. Il est content d'apprendre, il est content d'enseigner. Maulana, alors, Imam Ahmad ibn Hanbal, pendant plusieurs années, il met ban l'eau, il n'a pas gagné le droit d'enseigner. Mais seulement, tu as un élève qui va nous cacher, tu peux aller à l'imam Ahmad, tu peux enseigner les autres. Hafiz Zahabi mentionnait, tu as un élève qui voyageait depuis loin, une ville Bagdad, à côté d'imam Ahmad ibn Hanbal. Je lis sur la case, je dis, vous connaissez un imam, je viens depuis loin pour m'en prendre avec eux. Hadith. Imam Ahmad, je dis, tu ne peux pas connaître, il y a un ban là au moins, un soldat partout, calife. Il finit à annoncer qu'Ahmad ibn Hanbal n'a pas le droit de donner leçon. Si Ahmad ibn Hanbal peut donner leçon, mais qu'il est emprisonné pour battre les coups de fouet. Il a déjà battu les coups de fouet. Problème Mu'tazila, tout ça. Mais les élèves-là disent au stade, ils sont bien loin, ils viennent. On vient en prendre. Imam Ahmad ibn Hanbal, elle a décidé pour faire comme ça, qui ses élèves-là, guettent l'importance en prendre. Et combien de sacrifices bizarres pour en prendre. Et Zoti, combien facilité musulman et là pour en prendre et il pas en prendre. Get nous ban avant comment tu peux en prendre. Et donc, qui fait nous trouve et plus baraka dans ban là qui nous, malgré nous et toute sa technologie là. Il dit ali, tous les jours tu viens côté moi et toi habille-toi comme un mendiant. Comme un mendiant, comme un bécari. Hein? Comme un fakir, toi habille-toi comme un dire, qui qu'un peu de mansarité. Tous les jours tu viens avec ton katori, ton bol. Et te dire, donnez pour l'agrément de Allah, donnez une donation, contribuez, donne-moi mon pain en rien. Alors, quand un bhikari te vini, te tape mon la porte, Imam Ahmad ibn Hanbal dit mon poussouti, et ça, quelques secondes,
qui Moïse pour sortir ban soldat pe veille moi là mo pour sortir comment dire mo pe prendre quelque chose un tissu mo pe prendre ça mo pe mettre de to bol de to katori et là ça quelques secondes là mo pour citer toi un hadith ay mo penser toi un hadith j'élève là une faire ça. C'est moi qui fais pendant un an ou bien plus qu'un an, j'élève là, il fait ça. Parce qu'il a envie d'en prendre. Celui qui a envie d'en prendre, il fait un sacrifice pour en prendre. Simplement, il y a un an, ça dit, il y a là. Après un an, deux ans, quand il enlève, ban, depuis Imam Ahmad, maintenant, il regagne le droit de donner leçon. Il n'est pas mis sur les élèves, sa élève là, rentrer. Donc, il n'est pas venu comme un mendiant maintenant. On comprend là, parce que pas mendiant, lui. Mais si c'est pour en prendre une mise en habit comme ça, ces élèves-là rentrent, Imam Ahmad dit, avait fait assise devant, parce que ces élèves-là, qu'on va lire, il me dit. Comprends? Mais maintenant, imaginez, c'est à l'époque qui Imam Ahmad n'a pas le droit de donner une leçon. C'est un élève qui peut venir en prendre avec Imam Ahmad là. Normal, il pourrait le teach qui ken. Mais quand il pourrait le teach qui ken, par exemple, il peut teach dans une madrasa, il peut teach dans une masjid. Mais est-ce qu'il est capable de dire, mon père rapporte ce hadith-là depuis Ahmad ibn Hanbal? Il n'est pas capable de dire ça. Qui fait, s'il est pour dire ça, maintenant, pour demander, mais quand on en prend ce hadith-là, tu ne fais qu'en prendre. Si tu ne fais qu'en prendre, ça veut dire Ahmad ibn Hanbal peut donner leçon pour prendre Ahmad ibn Hanbal pour le mettre dans la prison pour battre les coups de fouet. Comprends? Il n'est pas capable de dire ça. Donc, là, il servit un autre nom. Par exemple, Abu Abdullah, papa de Abdullah. Il n'est pas appelé par Ahmad ibn Hanbal, nom qui tout le monde connaît. Il appelle par papa de, après, nom de ce garçon, hein, Abu Abdullah. Abu Abdullah fait un rapportement à ce hadith-là. Donc, il n'est pas parce qu'il mentit aussi, il peut référer à Imam Ahmad ibn Hanbal, mais seulement d'une façon cachée pour qui le monde ne pas connaît. Comprends? Donc, parfois, Tadlis, surtout sa Tadlis au Shuyukh-là, il tient pas autant. À cause de ça, mon ulama fait faire ça. Alors, misaluhu qawlu Abi Bakr ibn Mujahid ahad a'imma al-qurra. Okay, Abu Bakr ibn Mujahid bijia Abdullah ibn Abi Abdullah narrated to us and saying that in reference to Abu Bakr ibn Abi Daoud. Right? En réalité, c'est Abu Bakr ibn Abi Daoud par rapport à Ali à Abu Bakr ibn Mujahid, mais seulement l'ilija Abdullah ibn Abi Abdullah fin rapporté. Servir le nom pour le faire à même personne. Ok, so ruling, say it is not as disliked as Tadlis al-Isnad. Il n'est pas disliked comme Tadlis al-Isnad était. Il y a ça deux premiers que nous étudions là. Because the Mudallis did not omit anyone. The practice is only disliked due to losing track of the person from whom it was reported and making it difficult for the person hearing to recognize him. Its severity varies based on the motive for which it was done. Il dépend qui faire. Donc, en général, nous dire pas bon, mais seulement comme on raconte dans certains cas que Alim là, tu as un problème. Là, si nous, tu l'as nous, tu fais tête lisse. Au contraire, si quelqu'un n'a pas fait tête lisse, ou pour condamner. Hein, ou pour condamner. Donc, il dépend. Il dépend le contexte là. Nous n'expliquons ça six raisons là. Ok, après là nous pour aller. Sinon, si nous pour garder pour la semaine prochaine, là nous pour une longue. Nous pas envie sa leçon là. Il y a l'après jeûne. Là il y a un peu technical. Donc nous. Si qui connaît n'a pour aller, right. En tout cas aller demain je t'écoute recording là. Why Tadlis was done? Qui fait Tadlis fin faire? Première raison, the Sheikh being da'if, not thika. Okay? The Sheikh, il est faible, il n'est pas thika, nous finis d'étudier ça. Deuxième raison, the omitted Sheikh living a long life, such that students younger than the narrator heard from the Sheikh along with him. Là, un problème ego, ça. Un problème ego, ça m'explique le tableau pour lui venir plus facile pour comprendre. Right.
En parmi les raisons, c'est ça. Qui cherche la fin de vie, en long la vie. Un exemple de nous. Et là, un cher, ok, il commence teach quand il a 30 ans. Un cher, il commence teach quand il a 30 ans. Et sa chair là, il vit jusqu'à 100 ans. Il vit 100 balanés. Right? Un cher, il commence teach quand il a 30 ans. Il vit jusqu'à 100 ans. OK. Moi, mon allant prendre avec sa chair là, quand chair là, par exemple, il a 31 ans, ici, on a l'emprunt avec lui. Cheikh là, tu en as 31 ans. Et moi, ça, à l'époque-là, moi, tu en as, par exemple, 20 ans. OK? Moi, tu en as 20 ans, moi. On a l'emprunt avec sa cheikh là, tu en as 31 ans. Bien bon. Maintenant, là, qui est arrivé? Cheikh là, Colin Gain, 90 ans. Cheikh là, Colin Gain, 90 ans. Il y a encore besoin de leçons. Hein? Il y a encore besoin de leçons. Parce que ce soit fait, il donne des leçons. Cher là, quand il a 90 ans, il y en a un élève, par exemple, qui, quand cher là, il a 90 ans, l'élève là, il a 25 ans. Correct là? Cher là, il a 90 ans, il y a un élève qui a 25 ans. Et moi là, quand cher là, il a 90 ans, moi qui l'as, moi, il a. Cheikh là, il est 11 ans plus grand que moi. Donc, 79. Je ne sais pas qu'on ait calculé là, bon, pas bon, mais juste pour faire vous comprendre. Quand Cheikh là, il a 90 ans, il y a encore petit, il y a un élève qui a 25 ans. L'élève là, il a 25 ans, jeune. Moi, un bouzrouk de 79 ans, s'il vous plaît. Moi, bouzrouk de 79 ans. B, moi, j'ai un problème ego. Mon problème ego, c'est moi, mon père rapport depuis sa même chair. Mon père rapport, moi, j'ai 79 ans. Mon père rapport depuis chair qui en a 90 ans. Et sa chair-là, il y en a un autre élève, un enfant, 25 ans. Des enfants, entre guillemets. Hein? Un élève, 25 ans, qui peut rapport depuis sa chair-là. En d'autres mots, d'Atabaka. Donc, fais-moi dire sa chair là, il y a peu Zayn. Right? Donc, en termes de Tabaka, level de mon narrateur, qui pour un moi ici, et pour un an, ses enfants 25 ans là, au même niveau avec moi. Vous pouvez comprendre? Pour un an, lui aussi, même niveau avec moi. Mais moi, j'ai 79 ans, il y en a 25 ans. Comment nous capables égal? Moi, avec lui, nous pas égal. Comprends? Moi, avec lui, nous pas égal. Problème ego. Aujourd'hui, ça problème ego là, infini nous. Right? Infini nous. Un enfant en prend dans ma madrasa, il y a sur la case, il dit avec dada, dadi, vous connaissez ça, ce qu'il peut faire là, il n'est pas bon. L'islam n'a pas le droit de faire ça. Dada là, dadi, beta, toi, hier, tu n'as pas de soleil, maman n'a pas de soleil avant toi qui devait me montrer moi aujourd'hui. Ego, problème ego. Un bon musulman, qu'est-ce qu'il faire? Il dit oui, beta. Bon, pas tu connais tout ça, malin, là, tu as fini de connaître, mais pour changer maintenant. Tu comprends? Mais moi, moi, j'ai 79 ans, comment je suis capable au même niveau avec un enfant de 25 ans, cher là, parce qu'il peut continuer. Mais qui m'a fait là? Je suis pas capable présente-moi comme élève de Zaïd, sa chère. Je suis pas capable présente-moi comme ça, élève. Je suis pas capable de dire mon prophétie à ça. Parce qu'il est là, moi, je suis au même niveau avec ces élèves-là. Qui m'a fait? Moi, omitli, moi, gardé. Moi, omitli, moi, gardé, moi, le direct, l'oseille, ce cher. Comprends? Allah donne nous hidayat. Bon, on n'a pas besoin de faire ça. C'est juste mon essai d'expliquer comment dire pour comprendre. Un démon, quand il nous cher, nous avons respect pour lui, les plus grands qui nous, les plus petits qui nous. Alors, voilà. The chair, the omitted chair living a long life, such that students younger than the narrator heard from the chair along with him.
Et troisième, the omitted sheikh being younger than the narrator. C'est l'autre problème. Si un jour, on allait prendre un hadith depuis un sheikh qui est plus jeune que moi. Comprends? Mais comment mon gars prend ce nom? Mon gars prend ce nom, problème ego. Comprends? Les savants qui te souviennent, nous disons, tiens ça dans nous. Si nous venons aussi, nous disons, Yara, tiens ça depuis dans nous. Quand quelqu'un est nous cherche, il nous cherche. Plus jeune, plus vieux, il reste nous au stade, il reste nous cher. Quatrième, the narrator having many narrations from the sheikh and disliking to frequently mention his name in the same form. Donc, je viens de cause de la talena, mais tu donnes nous l'exemple. Haddathani, Maulana Nourani, Haddathani, Abu Anas, Haddathani, Al-Bakistani, il y a même l'affaire là. Mais il y a un seul sheikh, mais il n'a pas envie qu'il mentionne le même nom. Political reasons, raisons politiques, on finit expliquer un exemple, c'est Imam Ahmad ibn Hanbal sur l'époque. Sixième, to give false impression of ulu al-isnad. Ulu al-isnad, nous pouvons voir là après, mais si je comprends bien, ulu al-isnad, c'est, comment dire, me omit un narrateur pour donner l'impression qu'il me proche avec Nabi Karim sallallahu alayhi wa sallam. C'est-à-dire, entre moi et Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, plus pour un narrateur, plus ma chaîne de transmission plus longue, plus ma plus loin de la chaîne de transmission là avec Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Mais qui m'a fait? Je omit un narrateur que je suis capable d'omitter pour donner l'impression que moi, mon isnad, je prêt avec Nabi Karim sallallahu alayhi wa sallam entre moi et Rasulullah et un narrateur moins. Nous pouvons le là après, Inch'Allah, le urlo isnad, tout ça. Donc voilà, on arrête la même. Si vous avez une question, vous pouvez essayer de répondre. Si quelque chose pas trop comprend, ce carré get recording là, twin recorded, alhamdulillah. Oui. Bise en révision. Pour être franc avec vous, moi-même, comment tu peux étudier ça? Et dans certaines choses, moi, pas tu peux comprendre. Première fois, tu as ça, non. Le problème, c'est. Nous payons une session qui fait comme ça, que tu peux aller ou join. Alhamdulillah, Qadri Academy peut faire travail là. Les autres aussi, Inch'Allah, je peux faire travail là. Donc, quand première fois nous tendez, c'est difficile, je comprends. Et réécoute-les une fois, deux fois, trois fois, reggae recording là. Inch'Allah, c'est plus facile, si pas comprendre, nous capables de reprendre une classe, nous capables d'expliquer ce qui pas comprendre. Je tiens encore une question. Pas trop question. Peut-être nos classes nous pour mettre les one hour à ce dire. On va dire il faut 45 minutes. On va dire one hour nous essayer parce que peut venir un peu difficile. Allez, si vous avez une question, nous allons nous faire deux. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين اللهم يسر ولا تعسر وتمم بالخير وبك نستعين وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.